Honnêtement, Huawei a été perturbé par l'interdiction américaine. Mais l'impact d'ensemble est définitivement gérable. Nos produits phares n'ont pas été affectés parce que nos clients ont confiance en nous. Donc je voudrais remercier les clients de Huawei dans le monde entier pour leur soutien. Par ailleurs, nos fournisseurs et partenaires d'affaires nous ont aidés à garantir la chaîne de production et la livraison des commandes. Je pense que la stratégie de Huawei de diversifier ses fournisseurs s'est révélée la bonne. Huawei a dit que ses revenus au cours de la première moitié de l'année avaient cru de plus de 23%, s'élevant à près de 60 milliards de dollars malgré l'interdiction américaine. Le géant de la technologie a précisé que les livraisons de smartphones avaient atteint 118 millions d'unités entre janvier et juin, soit une augmentation de 24% comparée à la même période de l'an dernier. La chaîne de fourniture a été rompue quand Washington a placé l'entreprise sur liste noire à la mi-mai. Les États-Unis ont dit que c'était dû à des questions de sécurité nationale, les accusations que Huawei a toujours rejetées.